Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings. Et on s'était laissé, on est de prendre une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Et on réfléchissait à où aller. On réfléchissait à où aller. On pouvait soit finir de prendre l'Afrique ici, soit on essayait d'aller vers Jérusalem. Et on affrontait l'Empire arabe. C'est nos deux possibilités. Comment ça faction? Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je recharge une partie, il est en mode « Ah, ça va péter ah. !» Voilà. À peu près. Par contre, quand tu veux, tu recalcules, hein. Parce que j'aimerais bien que ça pète pas, en fait. Voilà, merci. Est-ce qu'on prendrait pas... Ou est-ce qu'on finirait pas ici? Oh, il y en a un qui s'est hissé à la place d'intendant. Bon, ça va, t'es bon. 21, ça va. Ça fait... Ah oui, ça fait beaucoup de petits territoires, quand même. Ça fait combien de duchés, ça? Ça fait 3 duchés. 4, 5. Ouais, et puis on n'a pas tellement d'intérêt de prendre ça. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus de ce côté-là. Sauf que je vais pas faire revendication par revendication. Quoique, si, je pourrais revendiquer... on va dire... ces parties-là. On peut commencer à faire ça. On peut commencer à faire ça. Ouais, on peut faire ça. On va essayer ça. Il refuse d'écouter, tant pis. Parce que si avec mon prochain dirigeant, je fais une guerre sainte pour le royaume d'Égypte, je peux prendre tout le nord, là. Donc il faudrait juste que je prenne ici. Et après, je pourrais prendre tout le nord d'une traite et me retrouver par là. C'est pas si pire. C'est pas si pire, mais on va avoir une un héritage, une transition, ce qui pourrait ne pas m'arranger, J'essaie de réfléchir à comment faire. Ou je pose directement une revendication. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça serait un peu bête d'avoir juste un bout là-bas. Hein. Ah, ils sont toujours pas bien convertis ici. On a converti quasiment toute l'Espagne, une bonne partie du Maghreb. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pose une revendication sur Jérusalem en mode rien à foutre?
Moi, j'ai envie. Hein. Bien envie de tenter le coup. Mais elle en est où, ma revendication? Bon, on va finir celle-ci. Je pense qu'on va finir les revendications ici. Je vais finir de poser mes revendications là, quitte à faire une guerre. C'était pas... Si, mais c'est ma cote de maille qu'il a pris, bien sûr. Oh, il a fait un joli bouclier. Mais bougez pas, j'en ai d'autres. Ouf, le prestige, j'en ai rien à faire. L'efficacité des chevaliers, ça m'intéresse un peu plus. Il a fait un beau bouclier. Il a fait un beau bouclier. Parce que là, j'ai quoi? J'ai renommé plus 0,12, durée des courts règne. Ben, c'est pas ça le bouclier? C'est pas un ornement mural? C'est ça. Petit ornement. Hein. Là-haut. Là. Là, j'ai prestige 0,6, renommée 10. Prestige 0,6, renommée, bah, ça c'est bien mieux. Voilà. Hop, faites-lui confiance, voilà, parfait. Donc je vais finir les revendications ici. Et on attaque Jérusalem. Je suis pas sûr de mon coup. Hein. Parce qu'attaquer Jérusalem, ça veut potentiellement se dire se manger des défenseurs qui ne sont pas forcément des alliés en face. Mais... qui vont vouloir défendre une guerre sainte, en fait. On va voir. On va voir si j'ai le temps de faire ce que je veux. Avant que mon dirigeant actuel meure. J'aimerais poser les revendications ici. Pourquoi? Parce que... Ah mince, je suis infirme. Ouais, bon. Peut-être pas avoir le temps de faire ce que je veux. Pas avoir le temps de goupiller ça comme je veux, parce qu'en fait l'idée c'était que je l'attaque pour Jérusalem, mais qu'au passage je prenne ici, puis transition, on stabilise le royaume, une guerre sainte pour prendre l'Égypte, et on a quasiment recollé. C'était pas mal comme idée, hein. Moi, j'aime bien mon idée. Ça veut dire qu'il faut que j'ai le temps de poser plusieurs revendications. Ce qui n'est pas dit. Des enfants ont besoin de tuteurs. Oui, le professeur. Le professeur. Ma fille est antiquaire. Des membres de la famille peuvent se marier. Petite fille, oui. Alors, tu as un peu de tout. Tu as un petit peu de tout. Mon fils. Ah, tu es géant. Tu es géant, mais sinon tu as un peu de tout aussi. Un petit peu de tout. On va faire ça. Et ma fille.
On va faire ça. On va faire ça comme ça. Hop. Ici. Il faut que je survive assez longtemps. Chef populaire, bam. Ça va faire du bien. Il faut que je survive assez longtemps pour poser les revendications que je veux ici et Jérusalem. Je tente quelque chose que je ne devrais pas tenter. Hein. On a dit que l'on aurait tous les lieux saints. Il me prend pas de duché. Les audiences, bien sûr. Oui, bonjour. C'est pourquoi. Très bien, j'accepte. Sa sainteté recevra tout ce qu'il veut. Je ne peux pas vous aider, mais profitez de mon hospitalité. Oui. Voilà, hop là. À Clermont, j'ai tout bâti. Ouais, j'ai tout bâti. Tout est niveau 8 et le château est niveau 4. Clermont. Il n'y a plus rien à faire. Mais là, vous avez déjà tout fait. Toi, t'as pas encore tout fait. Ouais. Allez. On y croit, je pense que j'ai le temps. Un poste au conseil, le chancelier. Oh bah lui il a 35. Allez. Allez, on y croit. 65 ans, santé correcte. Ça tient. Sachant qu'on a le bonus de longue vie, normalement. Ok, on a un nouveau bonus. Hop. Bon, limite de domaine, ça peu importe, je vais aller chercher architecte. Est-ce qu'on finit loi ? Ouf. Un avantage si je défends. Pas si intéressant que ça. Je vais pas pouvoir en prendre encore beaucoup, donc il faudrait prendre un de premier niveau qui m'intéresse. Opinion du clergé, c'est pas mal. Oui, non, ça sert à rien que je regarde les derniers niveaux. Fécondité, opinion pour l'attirance. Je vais peut-être prendre ruse. Pourquoi ? Parce que gain de redoutabilité et redoutabilité naturelle, ce qui permettra aux gens de me craindre un minimum. Ce qui peut être bien sur une transition, parce que des gens qui ont peur, ils vont moins aller rejoindre des factions. Allez, il m'en reste deux à poser ici, dont un qui va être très rapide. Croisade pour Jérusalem. Tu m'arranges pas, je voulais y aller à Jérusalem. Je vais y réfléchir parce que là, ça m'arrange vraiment pas. Ça m'arrange vraiment pas. Parce qu'on voulait prendre Jérusalem. Je vous invite à honorer notre alliance. Tu es en guerre contre le royaume perse. Oui, est-ce que t'as vraiment besoin de moi ?
pas sûr. J'attends que ma revendication soit posée, je regarde ce que tu m'as demandé. Ok, ça c'est fait. Allez, une dernière ici. Et là, on aura toutes nos revendications de ce côté-là. Tu es en guerre contre qui? Oh la Horde Noire qui s'est un peu étendue. On est en guerre contre qui? Eux? Ouais, t'as peut-être pas besoin de moi. Je pense pas, hein. Je remplis déjà ma part. Oui, zut, le pape. J'ai dit, je remplis déjà ma part. Oui, tu seras pas content. En même temps, je te vois mal m'excommunier, le pape. Hein. Non, parce qu'en fait, les catholiques, c'est un peu moi. À peu près. Du blabla sans conséquence. Et puis je vais y aller à Jérusalem. Si tu me le prends pas sous le nez. Si t'avais attendu quelques années, moi je te le ramenais, hein, Jérusalem. Allez, finis-moi cette revendication. Il faut qu'on puisse faire tout ça avant la transition. Ça, c'est fait. Et maintenant, on veut Jérusalem. Allez, petite revendication, là, au calme. Nouvel atout d'intendance, on peut prendre, hop, architecte, bien sûr. Oh, ça descend. Oh, tout arrive, là. Victoire, parfait. Byzance a gagné tout seul. Content d'avoir participé. C'est fini? Ah, je crois que vous avez perdu. Vous avez perdu. Je suis pas sûr de mon coup là. Hein. Allez, si tu peux me prendre le duché. Tu peux me prendre tout le duché de Jérusalem. Je t'en serai reconnaissant. Parce que sinon, je vais juste avoir Jérusalem. Paumé, au milieu de rien. Super. Bon. C'est là que ça peut devenir le drame. C'est là que ça peut devenir le drame. C'est un peu grand, l'Empire arabe. Si je te déclarais la guerre, pour mes revendications, tout petit bout là-bas, ça se tient, hein. Alors, j'avais un drapeau. Je crois que je l'avais mis par là. J'en ai pas un là-bas. Si, j'en ai un là. On va le mettre par là.
Ouais, voilà, ça y est, il y a des alliés ennemis qui rejoignent. Pendant que le jeu décède, hein, je suis en vitesse 5, mais il n'arrive pas à calculer. Je vais sortir de là. Ok. Il a du mal à aller où j'ai mis tous les hommes. La décédence. Là. Hop. Allez. Bon, de toute façon, je vais pas les séparer. Voilà. Fais-moi une seule grande armée, c'est, il arrivera beaucoup mieux à gérer. Oui, c'est une connerie niveau provision, je sais. Mais le problème, c'est que sinon, le jeu est en train de mourir. Alors, y a des sièges. Ok, il m'assiège en haut. Bah, faut que j'y aille. Il faut que j'y aille et que je le chope. Appel à la guerre de Byzance, si tu veux. Le problème, c'est que je vais déjà être en attrition. À tout en intendance. Bah, de toute façon, là, on va finir ce qu'il y a à finir. Il va descendre. Il va me balader. Ah, il va aller reprendre ce qu'il a pris. J'ai perdu tellement d'hommes à tous les regrouper. Mais c'est ça où le jeu il meurt. Le jeu il arrivait pas à gérer toutes les armées. Parfait, on a fait quelques victoires. Allez, on reprend ici. Il faudrait que j'aille prendre là-bas, mais c'est une perte de temps, ça. Ça, c'est une grosse perte de temps que je suis en train de faire là. Même si je vais contrôler la cible de guerre, mais... Oh parfait, je vais les choper. C'est plus que ce que je demandais, ça. Oh parfait, je suis en train de tous les prendre par petits bouts. Si je peux valider ici. Ok, il a plus de troupes. J'ai tout pris. J'ai tout tué. Je peux prendre ça. Non. On peut les prendre là-bas. On va avoir Jérusalem.
On va la voir. Je vais avoir pris les différentes cibles de guerre. En dehors de Jérusalem. La guerre est gagnée. Bon. Alors déjà, on va... celui-là, on peut pas l'avoir. Celui-là, on peut pas l'avoir. Celui-là, on peut. Celui-là, on peut. Ok. Alors ici, est-ce que je peux te donner à un de mes petits-fils? Ouais, mais je sais plus lequel va hériter. Attaque deux princesses. Ok, donc mes petits-fils, ils sont pas du tout de mon héritier. Bam, le duché. Hop, un petit-fils là. Ça. Hop. Là, j'ai un petit-fils. Tu vas avoir tout ça. Là. J'ai un petit-fils encore. Tu vas avoir ça, oui. Ok. Bon. Ça avance. Ça avance. Et maintenant, on a Jérusalem. Alors, Jérusalem. On va le filer à un bon catholique, bien sûr. Même à mon petit-fils, pour être sûr. Voilà, on va lui filer Jérusalem. Et on va tout de suite convertir Jérusalem. Hein. Pas déconner. Voilà, il y a une petite poche française là-bas. Ça, il n'y a plus de... Oui, répare. On peut rétablir les distinctions. Oui, ben rétablis si tu veux. Ma petite fille peut se marier. Oh, on va lui trouver quelqu'un. On va lui trouver toi, regarde, là. Oui, ils sont apparentés, oui. Dire qu'au début ça me posait problème et maintenant toute la famille se marie entre elles. Je peux exiger des paiements de 28 personnes. Ça fait beaucoup. Je pourrais négocier une alliance avec toi si je te fais un petit cadeau. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux plus, ok. Mais si. Il est passé là-dedans. Et que ça va être bon. Hop. Hop. Allez, on remet le temps pour que le mariage. Porteur de casque. Mince, tu n'as pas de. Tu n'as pas. Mickaël. Mickaël, 16. Mickaël. Ah, Mickaël. Mickaël. On peut rétablir... rien du tout. Faudrait savoir. On peut nommer l'épée de Dieu, c'est un archer. Mais un voyou politique. Oui. Porteur des éperons du roi. Oui, bon, on va nommer l'épée de Dieu. Voilà, lui. Et puis on va remettre le talentueux de chevalier français. Ouais. Ah ben c'est pas en orthographe et en grammaire qu'il est talentueux. Hein.
Donc, c'était qui devait être le talentueux de chevalier français? Philippe, 12. En plus, il est nul. Philippe, 12, forcé. Mais non, c'est pas ça. Voilà, tac. Tu peux avoir un successeur. Lui, voilà. Toi, tu n'as pas de successeur. On va t'en trouver un, bouge pas. Bon. Eh ben, on a fait ce qu'on voulait sous ce règne. Bon, maintenant, il faudrait connecter à Jérusalem. Parce que là, Jérusalem, c'est un peu tout seul. Il se fait plaisir, l'Empire byzantin. Il remange une bonne partie. Ah, c'est toujours pas converti, Saint-Jacques de Compostelle. Comment ça? Mais qui c'est qui a Saint-Jacques de Compostelle? Toi? T'as pas la bonne... T'es pas de la bonne foi? Tu vas te convertir immédiatement. C'est ton roi qui l'exige. Bien. Donc tu es catholique et maintenant tu vas me convertir ton comté. Donc là-bas, c'est en cours. Et bien, on n'a plus qu'à attendre le suivant. 72 ans, santé mauvaise, ouais. Ça va peut-être pas traîner. Toi, tu es devenu intendant pour 25 ans. Ah, je ne me suis pas occupé de ma cour royale. Oui, qu'est-ce que... Y a... Oui, oh, super. Qu'est-ce que quoi Oui, chasser cet idiot de ma cour. Voilà, ça m'arrange. Alors, monseigneur, je suis amené à déclarer que les habitants des 6 ne veulent pas payer leurs impôts. Voilà, la révolte fiscale s'est éteinte. Lutte contre la corruption, je vais donner de l'or. Et toi, tu veux un... Oh, mais c'est un acte de tyrannie. Je suis pas d'accord, hein. Voilà. Je peux pas aller piquer des terres à des vassaux. Ici, toi, successeur, Mislav, 19. Mislav, ok. Voilà. Bon, je pourrais créer. Je peux recruter lui. Oh bah, je vais mettre mon petit-fils. Voilà. Mon petit-fils qui sera un idéaliste vaurien. C'est quoi, idéaliste? Ouais, c'est pas mal. Allez. Yeke à 14. Et Nikita, tu vas être maraudeur charmeur. Charmeur, puissance de complan vise à séduire, prestige. Si je change ça par manipulateur, ouais, c'est pas mal. Un manipulateur maraudeur ou un maraudeur non un manipulateur maraudeur. Quoi qu'un manipulateur charmeur, c'est pas mal ça. Hop, et tu peux avoir un successeur. Non, il faudra en chercher. Bon, elle se fait cette transition ou pas? De toute façon, faut que j'attende que là, ça se convertisse.
peux pas poser de revendication en attendant. On est en trêve, donc je peux pas faire grand-chose non plus. Après, est-ce que j'ai... Ouais, non, je peux faire des guerres saintes, mais... Pour pas grand-chose, en fait. Mais je peux faire des guerres saintes pour des duchés, mais c'est vraiment grignoter petit bout par petit bout. Après, ça se fait, hein. Et voilà, on est avare. Et je vais aller chercher en érudition un intérêt sur la médecine. Il tiendra peut-être encore un tout petit peu. Ou est-ce que j'essaye? Ouais, j'ai un drapeau là. Allez, tac, déclarer une guerre. Une petite guerre sainte pour un duché. Allez, on va prendre ce bout là. Voilà. Bon, il aura pas tout levé. Ouais, ça suffira. Ah oui, non, j'ai même pas mes troupes de lever. Ah oui, attends, lever tous les hommes d'armes, merci. Là, j'ai que mes levées qui y sont. Je veux savoir ce qu'il mijote. Ici, il faudrait que je les intercepte. Ah, ça y est, on est mourant. Hop, on va aller là. On va récupérer mes hommes d'armes avec les bombardes. Vous allez, hop, m'arrêter là-bas. Parfait, ça c'est pris. Hop, vous allez me prendre en dessous. Ah ! Arrête de mourir le jeu. En plus, j'ai pas levé beaucoup d'armées là. Appel à la guerre sur une révolte paysanne, oui. Oui, si tu veux. Je sais pas où, mais oui, si tu veux. Ça, c'est gagné. Voilà, j'ai pris un petit duché. Accordé à votre arrière-petit-fils. Ça commence à être loin. Quoi, j'ai pas pris le duché ? Ah, je l'ai pas pris. Bon, bah, c'est pas grave. Mon arrière-petit-fils, tu vas avoir ça, ça et ça, voilà. Elle est où ta révolte paysanne? Oui, alors... Pas tout de suite. Voilà, on s'est débarrassé de ça, on en a pris un petit bout de plus, je suis malade. Ça va pas m'arranger. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on a dit qu'on attendait la transition.
Tu veux me faire un nouveau truc? Oui, allez, tiens, je t'invite. Vas-y, fais. Une couronne royale, allez. J'aimerais bien une belle couronne, s'il te plaît. Du coup, ici... je suis ravi. Ici, c'est déclaré pour un duché. Hop, on va déplacer le drapeau ici, tout lever ici. Voilà, tu peux arrêter le ralliement et tu vas leur casser la gueule, hein, ça suffira. Je ne suis plus malade. Voilà, c'est gagné. Bravo. Ici, j'ai pris le duché. Merci. Alors, on va filer ça à... Plus de membres de ma famille. Bon bah ça sera toi. Toi, bravo. Tiens, démerde-toi. Avec tout ça, bam. Et trop de vassaux. Non. Pas trop de vassaux. Alors, un petit royaume. On l'a fait celui-là ? Je crois qu'on l'a fait, hein. Oui, il y a déjà un roi là, il y a déjà un roi là. On peut peut-être prendre le royaume du Mali. On peut pas. On peut pas. Où est-ce que j'ai pas mis des royaumes là? Ah, le royaume du Sahara. On va le créer. Voilà. Toi, bravo. Non. Toi, non, t'es pas de ma famille non plus. Toi, t'es pas de ma famille. Toi. Bon, bah, il y a personne de ma famille dans le Sahara. Et toi, bravo, tu es roi du Sahara. Bon, on va continuer notre petite guéguerre. Hein. Toi, on va se prendre un duché. Voilà, comme ça on va connecter déjà tous mes bouts là. Hop, on va tout lever là. Bon, hop, ça suffira. On va arrêter de lever. Et on vient prendre ici. Là. Ah, j'ai qu'un bout qui y est allé. Les autres, vous aviez pas envie. Hop là, tu veux une forge, on te fait une forge, nous. Ah, ça y est, j'ai des troupes qui arrivent. Ah, ma femme est morte. Je peux continuer à vivre. Ça, c'est pris. Allez, on va les prendre là-bas. Appel à la guerre, Byzance. Je n'ai plus de maître espion. J'ai un maître espion. Oh, tu m'as fait une couronne. On a quoi, nous? On a prestige, ouais, impôt de domaine, ouais, vassaux, opinion des vassaux, plus 3, c'est pas mal. Surtout durée des courts règnes, moins 30%. Prestige, prestige, par vassal puissant au conseil, maintenance des hommes d'armes, opinion des vassaux puissants, plus 10. Et là, j'ai plus 3 de tous les vassaux.
Ah, je vais prendre celle-là. Allez, tu m'as fait péter la belle couronne. On la prend. Hop, étude anatomique. Et j'aimerais bien aller jusqu'à... vous êtes averti de votre mort, mais je suis pas sûr d'y arriver. Non, je voulais aller là. Alors là, t'as des hommes qui arrivent de partout. Pas sûr que t'aies le temps de fuir. Voilà, ça c'est fait. Quitte à être là, prenez sa capitale. Vous avez rendu l'âme. L'empereur Steve Vosges de France repose dans les bras du seigneur à l'âge de 76 ans. Il est mort de vieillesse. Herboriste de renom, il a été dit qu'il pouvait guérir tous les maux avec la bonne concoction. L'empereur Marcus monte sur le trône, doté d'une connaissance impressionnante de toutes choses entre ciel et terre. Son règne sera probablement légendaire. Est-ce que son règne va être légendaire ? Est-ce que son règne va être légendaire ? C'est un érudit. Pas mal. Mon conseil, tu n'as personne... d'ailleurs, pourquoi c'est toi qui as hérité ? Si, c'était toi ? Je croyais que c'était... Ah oui, t'as que deux filles, toi. Ah oui, t'as deux filles. Tu peux peut-être mettre des vassaux puissants, non ? Genre lui. Bam. Mais lui, il a 20 en intrigue. C'est pas mal, 20 en intrigue. Le bourgmestre, on va mettre ici. Le pape, on s'en fout. Et toi, t'as que 12, mais bon. Voilà, tous les vassaux puissants sont posés. J'ai un problème de domaine. Pourquoi ? Parce que j'ai des trucs ici. Ça, on va l'accorder à toi. Oh, tiens, démerde-toi. Ici... On va l'accorder à toi. Ici, on va l'accorder à toi. Titre principal, oui, la France. Merci. J'ai trop de vassaux. J'ai trop de vassaux. Est-ce que j'ai des vassaux que je dois donner à des gens ? Toi. Ça c'est fait. Bon. On peut négocier ici des alliances. Voilà, ça c'est déjà c'est des gens qui ne rejoindront pas les factions. Toi, tu m'aimes pas des masses. Byzance, tu m'aimes pas des masses. Moins 25. Moins 1. Parce que je suis en guerre. Ah oui. Parce que je suis en guerre. Bon, j'ai toujours trop de vassaux. Toujours trop de vassaux, sauf que là j'ai déjà des rois, là j'ai des rois, là j'ai des rois, là j'ai des rois. Bon ben, l'Espagne. L'Espagne. Ben, il y a bien des petits rois ici. Allez. Ici, toi, accorder un titre, te voilà roi. Bam.
Bon, toujours, non, toujours pas. J'en ai 3, 3 de trop. J'en ai 3 de trop. Valence. On n'a plus Valence? Oh, bah attendez. Bam. Voilà, on a Valence. Bravo. À 7 ans, te voilà roi. Voilà. Bon. Tout pile. On est bon. Maintenant, il faut finir cette petite guerre. Et après, il faut régler les problèmes de faction. Ouais, des factions qui se forment. Ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Ok, par contre, j'ai une autre guerre, là. Ouais, c'est une guerre à l'intérieur de l'Empire byzantin. Oui, je peux pas, moi, quitter la guerre. Non, parce qu'en fait, tu m'arranges pas. Non, je peux pas. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ici, on va déjà former ça. Et on va le filer à quelqu'un. Ça sera pour toi. Bam, bam, bam. Tac. Oh, j'en ai trop. Ouais, mais là, je peux plus faire de royaume. Bon, ben, on va continuer. Ici. Allez, on va se faire les rois d'Espagne. Hein. Toi, bravo. Te voilà roi. Tac. Toi, bravo, te voilà roi de je ne sais où, mais de Castille. Toi, on est allié, du coup ça m'arrange, te voilà roi d'ici. C'est bon, j'ai filé tous les rois ici. Voilà, ça fera toujours ça de moins. Ah, c'est que ça commence à être grand chez nous. Je pourrais toujours poser le roi d'Angleterre, ça m'allégerait. Oui, bah il m'arrange pas avec sa guerre, l'autre, là. Voilà, et on va disperser nos troupes. Voilà. Ok. Ça fait du bien. Maintenant, les artefacts. Est-ce que tu m'as déséquipé de... Non, tu m'as... Si, tu m'as mis une babiole, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Limite de vassaux plus 10. Oui, voilà. Merci. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Là, moi, j'ai quoi? J'ai piété, oui, prestige, renommée. J'ai 12 de renommée. Ouais, 12 de renommée, 5 de piété. Piété, la même. J'ai pas de renommée. Prestige, moins 0, plus 0,7. Ah, durée des courts règnes. Je perds un peu de renommée, mais bon, en même temps, à ce niveau-là du jeu, j'en ai plus vraiment besoin. En durée des courts règnes, ça c'est bien. Arme, j'ai rien de mieux. Armure, j'ai rien de mieux. Ok, ma cour, t'as touché à rien, ça m'arrange. Et je vois que là, j'ai un livre qui n'est pas posé. Parce que là, j'ai quoi? Petit bonus de santé. Et là, j'ai beaucoup plus de piété. Je gagne 1 en érudition. Et plus 15% de mode de vie érudition. Ouais, plus 20%, voilà, ça c'est pas mal.
Hop, tout ça s'est exposé. J'ai le Menorah de Jérusalem, mais non. Ok, tout ça s'est exposé. Ici, on peut peut-être faire les audiences. Non, non, c'est bon, il n'y a pas à faire les audiences. Bon. Bien évidemment. Allez, vous voulez des petits cadeaux? C'est l'heure des cadeaux. Tiens, est-ce que tu veux une merde? Parce que j'en ai plein. Tiens, cadeau. Ici, c'est que des paysans. Hop, est-ce que tu veux une merde, toi aussi? Regarde, allez, tiens, repars avec une peau. Ici, c'est que des paysans. Et ici... Bon, ça a été plus soft que précédemment. Ah, toi, t'es déjà à 100%, mais tu restes là. Oui, moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je me suis dit allez, ça a l'air pas mal. J'ai pas compris à l'origine que c'était un coup d'état. Voilà, vous êtes tous à 100. C'est bon ? Vous partez maintenant ? Allez, hop là, voilà. Ah non, toujours pas. Allez, allez, voilà, allez, voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Toi, je vais t'influencer. Et ça, c'est bon. Ok, au niveau du conseil, tout le monde m'adore. Il n'y a plus rien à faire. Bon. Ça se goupille plutôt bien. Ah oui, Byzance qui est une petite guerre intestine et je vais exprès pas t'aider. Parce que ça m'arrangerait qu'il devienne indépendant. Parce que derrière, moi j'arrive et je fais bonjour, chez nous c'est mieux. Et hop là, je récupère tout le monde. Petit Jérusalem là. Bon, tac. Oula, ça commence à être compliqué pour tout rentrer. Eh ben écoutez, on a bien avancé. On n'a pas pris autant de territoire que d'habitude, mais on a pris Jérusalem. J'ai envie de dire, ça, c'est bien. Du coup, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.